Salut tout le monde, c'est Piki et on se retrouve pour ce 9e épisode sur Spyro 3. Alors, je commence l'épisode ici parce que j'ai eu un bug. J'avais commencé l'épisode du Sergent Burn, son niveau, mais j'ai eu une perte de FPS de fou et puis j'ai eu plein de bugs. Donc normalement on va se retrouver au début du niveau, j'ai fait des tests et puis comme si rien n'avait été fait, mais moi je m'étais arrêté, je sais pas, 5 minutes après que j'avais commencé, donc c'est pas énorme, mais bon. Ils doivent être au maximum de leurs conditions physiques si nous voulons affronter la sorcière. Eh ben va entraîner les colibris. Hein. Chef, voilà mon rapport. Hier à 18h45... Ah Gabriel, dis-moi tout. Nous nous sommes défendus du mieux qu'on a pu, chef. Mais sans vos instructions, nous n'avons pu mettre en place une véritable résistance. À 19h, le reste du groupe a été capturé et les rhinos avaient le contrôle total de la base. Ah, c'est incroyable, c'est rhino, Gabriel. Ouais. Alors, attendez. Alors, je vais faire une petite pause. Ouais, donc, je m'étais arrêté, genre 5 minutes après le début de ce niveau, parce que j'ai vu... une perte d'FPS de fou, je sais pas d'où ça venait. Enfin bref. Et au début de l'épisode, je racontais que on va jouer le troisième personnage avec un gameplay assez riche disponible. Sachant qu'on en a déjà joué 5 avec celui-là en tout. On a joué Spyro, Sparks, Chasseur et Sheila. Donc là c'est le cinquième, mais c'est le troisième où il y a vraiment un gameplay assez riche. Et c'est un de mes préférés, Sergent Burn, parce que vous voyez, on peut voler et on peut tirer des missiles, on peut aussi, dès qu'on vole, on peut regarder en dessous. Et si on se pose, on peut viser et tirer aussi des missiles. Donc voilà, c'est j'adore ce personnage, il est vraiment énorme. Par contre, le truc que je piche pas, c'est pourquoi ils leur ont mis un accent marseillais au colibri. Normalement, c'est stéréotype des policiers, l'accent marseillais. Généralement, hein. C'est typiquement français, ça. Mais bon, je sais pas pourquoi. C'est un sergent, normalement, il a un casque de militaire, hein, c'est pas un policier. Enfin, moi, j'ai pas trop pigé. Alors, faut libérer les colibris, donc. Allez! Alors? Pourquoi ça ne marche pas? Ah bah voilà. Peut-être j'étais pas assez prêt. Enfin bref, il y a aussi la musique dans ce niveau. Alors, elle est sympa, mais elle est trop répétitive, je trouve. Donc c'est un peu galère. Merci, chef. Oh, de rien, Claire. Elle est trop répétitive et on la retrouve dans pas mal de niveaux. Enfin bref, on avance. Alors, les espèces de jardiniers. On va le démonter comme ça. Bam, bam, bam. Et on peut démonter la porte aussi. Voilà. Ça aussi, c'est des joyaux. Bim. Hop là. Ah, il y a... Comme le gameplay, enfin le niveau est en fonction du gameplay de Sergent Bird, il y aura pas mal de joyaux en hauteur qu'il faudra choper. Ah, le bâtard. Il y en a pas un ici, non. Ça, on peut pas le détruire à coup de lance-missile, hein. Il faut un missile plus puissant. On verra ça plus tard. Ouais, faut pas que j'oublie le joyau parce que je risque d'en oublier pas mal dans ce niveau. Toi, c'est bon. Voilà, avance petit colibri. Là aussi, il y a des taupes. Et si je les. Oh non. What the fuck? Ah non, mais ça me refait le même bug alors que j'ai... Enfin, je sais pas, j'ai rien changé depuis, quoi. Enfin... Je vois pas vraiment d'où ça vient, en fait, c'est ça le délire. Ok... I don't understand. Enfin bref, j'espère que si ça recommence, je quitte encore. Ça m'inquiète vraiment. Je sais pas d'où ça vient, tout a bien commencé. Je piche pas. Enfin bref. Donc voilà les petites taupes, si on les tue tous dans ce niveau, on débloque un
comme avec les arbustes. J'ai saisi les rations. Un point d'aptitude, ouais. Ils n'auront pas loin avec l'estomac vide. Ah, bravo Gabriel, bravo pour les rations. Ah ouais, bah c'est Siegfried la ration. Voilà, t'as failli te faire bouffer, Siegfried. Apparemment, ils veulent tous les bouffer, en tout cas. Chef, les rhinos ont bloqué l'entrée de l'autre grotte. Ah, les hommes foirés de rhinos. Et je ne pense... Tu ne penses pas qu'on peut faire sauter à cette porte? T'inquiète pas, je vais me charger. Par contre, j'ai oublié des joyaux. Mais en tout cas, faudrait y retourner pour péter le truc avec comme ici. Enfin bref, toi, tu vas me saouler. Voilà. Et il faut poser ces trucs ici. Ces espèces de poils, il faut les poser sur... je sais pas, c'est encore des espèces de plateformes aimantées. Enfin bref, on peut prendre aussi la vue d'en dessous pour plus de précision, mais moi j'aime pas trop. Hop là. Toi tu gères. Et un colibri à libérer. Allez. Allez. Voilà. Et deux. Ah, je vais aller lui parler. Comment il s'appelle? Demande de permission pour cri de guerre, chef. Yip, yip, yip. Ah, permission, non, une cordée, Louise. Allez, récupère un petit point de vie. Allez, barre-toi, enfoiré. Alors, ce niveau, il est assez long, je trouve, parce que... parce qu'il y a pas mal de trucs à check. Je pète les ennemis, là. Il y a les taupes qui vont me faire chier. Alors, je vais me poser ici pour cette... Oula. T'es glitch, sergent Robert, tu es glitch. Et puis il y a un ennemi que j'ai oublié en plus. Ouais, t'es vraiment glitch, quoi, c'est un truc de fou. Et ne me dodge pas, toi. Ok, je vais sûrement pas pouvoir l'avoir en faisant comme ça. Allez, sort de ton trou. Je me recule là, tu vois. Il veut toujours pas sortir de son trou. C'est une blague. Ah, j'ai peut-être une idée. Parce que si je fais tomber le pot sur sa gueule, ça le tue. Non. Oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Oh, oh. Je l'ai headshot, quoi. Énorme. Juste énorme. L'autre, par contre, on va l'avoir d'ici. Sors de ton trou. Sors de ton trou, je t'ai lu. Elle est sérieuse? Ah, et puis c'est maintenant qu'elle sort. Et puis, alors, on va la voir de par là, alors, j'espère. Parce que ça me saoule, là, les taupes, hein. Allez! Et bim, dans ta gueule. Voilà, donc on a tout fait ici. Ah, attendez, je vais essayer de choper la taupe d'ici. Sors. Et sérieuse la taupe, là? Ok, bon bah je vais pas sortir. Hop là, tu jugais. Ah ouais, c'est vraiment des ennemis chiants parce qu'ils tirent à une cadence de fou et ils visent pas mal aussi. Ah, je me suis fait avoir. Donc là, tu gères. Ça va, là, c'est une... le début du niveau, c'est dans des petites salles, mais après, c'est dans un endroit gigantesque, alors c'est franchement galère. Ouais, faut récupérer la taupe. On récupère ça. Hop. Ça aussi. Hop là. J'ai tué la taupe ou quoi? Parce qu'on la voit plus. Elle veut plus sortir de son trou. Non, c'est pas possible, le trou il aurait disparu. Info sûr que. Allez. C'est pas vrai, montre-toi. Voilà, au revoir. Allez, qu'est-ce que va me dire Sergent Caporal Gabriel?
Continuez comme ça, chef. Ah voilà, il y a les missiles. Alors ça, normalement, on peut pas les prendre là. Ah si, ça se prend comme ça, ok. Alors ça, c'est des missiles à balancer et je reviens en arrière pour péter le comment dire, l'espèce de coffre en acier où il y a plein de joyaux dedans. C'est le truc qu'on détruit avec Spyro quand on a la super charge ou la super flamme. Et là, c'est avec les espèces de missiles. Ah, puis il y a un passage en plus en dessous, quoi. Cette blague, quoi. Allez, on descend. Oh, il y a de la lave et tout. Ça rigole pas aussi. Voilà. Mion. Un colibri. Waouh, comment il m'a jeté la cage. Salut. Prête pour les instructions, chef. Ah, Nikita, l'instruction que je te donne, c'est de récupérer les œufs à ma place. Allez, Nikita, allez. Dépêche-toi, je te dis. Putain. Bon, là, rien, juste Nikito. Ouais, là c'est en haut. J'espère que j'ai pas oublié de jouer haut, sinon je serais deck parce que je compte pas revenir ici normalement. Hein, c'est par où? Je sais plus. Dis-moi que c'est par là. Ouais, c'est par là. Ouf! J'ai pris le bon choix. Alors toi tu gères, toi. Toi aussi je t'ai lu. Alors eux, on va les gerter. Voilà, là c'est la phase extérieure. Par contre, je vais récupérer ça parce qu'il va y avoir pas mal de trucs à détruire, je suppose. Et puis même pour le top, ce sera plus simple. Ah bah oui, voilà, ça c'est plus simple. Par contre, lui, il me saoule. Là, il y a un colibri. Voilà, et de 4. On va reprendre la vue comme ça. Voilà. Je veux pas m'emmerder. Ok, il y a un petit passage là. Hop là, toi je t'ai démonté la gueule. Oh, les deux coquilles en même temps, quoi. On va récupérer ça. Par contre, je crois que je le perds si je tombe à terre. Ah non, je dis des conneries. C'est juste si je me fais toucher. Il y a un point de vie là, c'est nickel. Ah, j'ai oublié un joyau. Je sais pas si on peut se barrer du niveau. Je pourrais te tenter un glitch qui me ferait tout bugger, franchement. Mais bon, je pense pas dans tous les cas. Ah, on n'a pas été lui parler. Prêt pour le rapport, chef. Allez, Chloé, je suis fier de toi. Mignon. Allez! Ah putain, il m'a eu. Ah! Encore un papillon multicolore. Oula! Mission accomplie! C'est un plaisir de vous revoir, chef! J'ai rien fait. Mais de rien, Gabriel! La prochaine fois, je ne ferai rien encore plus vite que ça, et puis. Je serai venu plus vite que toi. C'est Ryan Lee! C'est un pote Alicine ou quoi? Ryan Lee. Un rôle de nom, c'est vrai. Tu gères. Ah, il m'énerve à toujours me toucher en plus. Il y a une taupe ici. Là, tu m'as pas eu. T'es trop nul. On va choper la taupe avec ça. Ah, il m'a eu. Putain, c'est pas vrai. Quoi. What the fuck? Ah, c'est vrai qu'il m'a. Putain. Faut que je fasse gaffe, il me faut une coccinelle. Parce que l'autre aussi peut me baiser là d'ici. Et une coccinelle là-bas. Allez, toi tu descends. Coccinelle. Voilà. Toi on va tirer de là-bas. Voilà.
J'ai l'impression qu'ils sont un peu auto-guidés des fois les missiles, hein. Franchement. J'ai une petite impression, mais je croirais. Franchement, il y a moyen. Là, il y en a un. Je crois, je sais pas si... Non, il me reste un colibri à libérer. On va reprendre un point de vie et un autre. Ouais, ça sera full life. Ah, nickel. Lui, ouais, j'ai oublié en plus, lui, tout à l'heure, déjà tout à l'heure. On va aller péter ça. Oh zut, je me fail. Allez, prends, récupère ça. Oh, me troll pas, je ne me troll pas. Voilà. Voilà. Allez, mange tout, petit parti. Mange les joyaux. La taupe, on va la niquer comme ça. Voilà. Il y en a une autre là. On voit même pas son trou, mais on la voit. Voilà, nickel. Il m'en manque encore des taupes. Eh ben. Eh non. T'es trop nul. Tu ne m'auras jamais. On va récupérer des missiles s'il reste des taupes. Hein. Ah, vous voyez, elle est super répétitive. Oh, un joyau dans la lave. Qu'est-ce qui branle? What the fuck? Heureusement qu'on peut voler parce que sinon ça aurait été la cata pour récupérer. Le suicide. Alors. Tiens, bouffe. Toi aussi, bouffe. Je cherche une taupe, s'il vous plaît. Sérieux, j'en vois pas. Ça me fait peur. J'ai pas eu de point d'aptitude pour toi. Où est-ce qu'elle peut se cacher? Là, il y a un mec. Peut-être que je l'ai loupé par ici. Ah, bah, elle est là. Ah voilà, nickel. Enfin bref, j'ai récupéré tous les points de vie et le point d'aptitude, plus une vie. On va récupérer tous les joyaux, je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'ennemis qui traînent. Hein. Pour être sincère, tellement de joyaux, ça fait du bien. Alors, on a tout récupéré là, faut vraiment que je check partout parce que... J'ai d'y passer 10 ans déjà, que ça fait beaucoup trop longtemps avec les bugs et tout. Encore ça, ça s'est calmé. Je suis content parce que ça me faisait vraiment peur. Ah. Ok, on peut passer. C'est le feu vert. Là, c'est feu vert. Ok, là, c'est feu vert, là, c'est feu vert, là, c'est feu vert. Je reproche, j'en ai rien à foutre. C'est bon, et un colibri. Et il nous manque des joyaux. Avant d'être capturé, j'ai récupéré cet œuf chez l'ennemi, chef. Ah, bien joué, Len, je suis fier de toi. Roy. Roy, tu étais capturé chez l'ennemi, Roy. Je suis pas fier de toi, oui. Mets ta coquille devant ton corps. Attends, Roy, déconne pas non plus. C'est bon, on a tous les œufs. Par contre, joyeux. Ça va encore poser problème. Ah mon dieu, j'ai pas envie de chercher par là déjà. Je sais pas pourquoi ils ont mis des espèces de pièges lance-flammes, c'était zéro. Je vais me mettre en hauteur. On va y voir plus clair. Ah bah, déjà il y en a un ici. Un autre ici. Et c'est bon. Oh nickel. Et bah. On se casse. Elle est où la sortie? Elle est où la sortie? Je ne la vois pas. Elle est là. Oui. Oui. Victoire. C'est génial. Et ben voilà, c'était le niveau du sergent Bird. La base du sergent Bird est terminée. Et
et ainsi que cet épisode, donc dans le prochain épisode, j'hésite, soit on fait ce niveau-là, mais je l'aime pas trop. Moi, j'ai surtout envie de faire niveau les pindas. Mais par contre, en fait, je vais pas terminer cet épisode tout de suite, puisque je vais faire du rajout. En rajout, puisqu'on va aller faire tout de suite l'épisode. Enfin, l'épisode. On va aller faire tout de suite le. Tiens, salut, sergent. On va aller terminer le niveau. Comment ça s'appelait déjà ce niveau avec les tiki? Fusion quelque chose, cratère en fusion, je crois. Je suis pas sûr. Je crois que c'est cratère en fusion. Pardon. Et bon, on va aller le faire tout de suite comme on débloquait Sergent Burr. Voilà, il y a du rajout, mais j'en ai rien à foutre. C'est pas très grave. Hein. Cratère en fusion, c'est ça. Aïe. Aïe. Et il y a un point d'aptitude à récupérer dans cratère en fusion en plus. Et en avant. Il avance plus la Spyro. Je me suis adapté au gameplay de Bird. Je suis plus à l'aise là d'un coup. Et on est parti. C'est vrai que j'allais oublier de le faire. Salut Spyro. Salut. Je suis en route pour la loge Tiki. Pour me détendre. Et ben en avant. Je joue à cache-cache avec mes amis. Si je n'arrive pas à trouver où ils ont caché leur tête, ils ne me laisseront pas adhérer à la loge Tiki. Aide-moi à les remettre en place. Alors là, il y a masse ennemie. Et puis il y a un point d'aptitude aussi à choper. Alors là, il y a un, déjà, on voit tout de suite qu'il y avait quelque chose de caché. Il y a un œuf. C'est Luna. Salut Luna. Oh, c'est bon Luna. Et hop là. Bon, les têtes, elles sont pas très bien cachées, mais bon. Il y en a, elles sont... C'est assez chiant de faire des allers-retours. Et puis il y a encore plein de joyeux à récupérer. Hop. Là, je vais en profiter pour défoncer tout le monde. Non. Ah bah, il respawn, donc ça sert à rien du tout. Et je vais attendre. Chope la tête. Voilà. Alors, le point d'aptitude, faut poser toutes les têtes ici. Allez. Alors, une. Normalement, il y en a 5, je crois. Puis, il y en a une d'office, donc. Aïe. Là, je peux perdre un point de vie. Ah non, c'est juste pour m'empêcher de poser les têtes. Ils sont là. Ils font rien perdre du tout. Ils sont 0. Ils sont même moins 1. What the fuck? Tous ces joyaux dans une. Petite. Un petit pot. Je ne comprends pas. Enfin bref. Hop, on récupère les joyaux. Là aussi. Hop. Voilà. Ah, j'en ai le. J'allais en oublier. Heureusement, je l'ai vu ce fumier. Allez, chope la tête. Voilà. On va passer par là parce qu'il doit y avoir des joyaux. Nickel. Ah là là, ils sont marrants ces tipis à faire un cache-cache avec leur tête et tout. Et hop là. Non, je voulais pas la récupérer. 2, 3. Ah, la musique s'est arrêtée parce que je m'approche de la tête. Enfin, de la porte. Je fais n'importe quoi. Oh, aïe. Allez, vole. Je sais pas si... Ah, si on peut récupérer des points de vue, j'avais vu des lits magma. Aïe. Je fasse gaffe d'ailleurs en parlant de point de vie. Voilà, nickel. Je veux juste vérifier qu'il n'y ait pas de peau à défoncer au-dessus de moi. Apparemment, non. Alors, on va choper la tête. Voilà, on s'envole très vite. Parce que là, ils ont l'air de pas rigoler des masses. Ah, j'ai chaud. Ah, merde, je l'ai posé dans la lave ou quoi? Oh non, je suis deg, il va falloir que j'aille la rechercher. Quoi. J'ai trop fail. Hop, toi je te prends en passage. Toi tu me saoules. What the fuck, je me fais combo. Oula, c'est pas bon du tout ça. Pas de conneries, pas de fail.
Allez. Tu tires tes flammes, toi. Hop, hop. Là, c'est bon. Toi, tu... C'est bon aussi. Et... Les magmas. Voilà. Il m'en manque une. Faut que je check. Je crois que je peux aller par là-bas. Dans ce petit coin-là, il me semble pas y être allé. Ah bah si, en fait. Si, 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 je dis des conneries. C'est où que je peux aller? Ici peut-être. C'est le premier endroit où je suis allé. Ah, je crois que c'est là-bas. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. J'ai vu un joyau vert. Je l'avais vu. Bah y a rien de spécial ici à part. Ah bah voilà, j'ai tous les joyaux du niveau cratère en fusion. Ça c'est déjà la bonne nouvelle. C'est-à-dire j'en avais pas oublié dans le niveau bonus avec la supercharge plus le niveau en lui-même. Et voilà, point d'aptitude, les têtes de tiki dans. Et on va les récupérer. Et maintenant on va les poser sur leur corps. Et l'une. Voilà, ça va être simple maintenant, j'ai fait tout le travail. Sauf si les piafs me font chier. En plus avec le point d'aptitude, j'ai récupéré mon Sparks à 100%. Piou, piou. Allez. Ya. Ah. Allez. Allez. Voilà. Ah mon dieu quoi. T'as pas envie d'aller sur ton corps ou quoi? Ah la misère quoi. En plus que va savoir c'est quelle tête quoi. Va falloir refaire un tout. Oh la misère. Ouais là c'est vraiment casse-cou. Allez, on va check par là. Oh yes! Cette chance que j'ai. Non, toi tu vas pas me saouler maintenant. C'était cette tête là, puisqu'il y a le pire. Ok. Nice! Ouf! Prends cet œuf comme carte de membre honoraire de la loge. Yeah! Je suis membre honoraire de la loge. Hey Ryan! What's up Ryan? Hey! C'est la première fois que ça arrive. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage. Bah écoute, cool. Et voilà, donc le niveau cratère en fusion est terminé. On va regarder dans l'atlas. Et même, il n'y a pas que le niveau, il y a le soleil, le vent pratéen. Et tout est terminé à 100%. C'est génial. Et dans le prochain épisode, on sera à attaque au jardin. De midi, donc voilà, je vous souhaite. Je vous souhaite rien du tout. Alors, je déconne. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et portez-vous bien et à la prochaine. Salut!